Hop là, voilà, voilà, parfait. Oh, oyez, oyez, jeunes damoiseaux et jeunes damoiselles. En ce jour de l'an de grâce 2019, chevauchons notre plus belle monture et allons visiter le roi et la reine dans leur château. Mais vite, il faut se dépêcher avant que quelques gueux viennent nous estourbir ou pis encore, nous jettent dans les douves du donjon. Allons-y! Bah, Ellie, Papounet, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, Mamounette, t'es pas au courant? Coucou, Papounet, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas au courant, il y a la fête médiévale là qui se produit à côté de chez nous. Alors moi, j'ai envie d'y aller. On y va? Allez, c'est parti! Regarde bien, Mamounette. Ellie est habillée en princesse. Waouh, une princesse avec une Switch. Une Switch. Et ça, c'est paradoxal et anachronique. Mais on s'en fout parce que ça va être la fête dans peu de temps. Les petits copains et copines, ce que je vous propose, c'est de prendre la voiture, de filer à cette fête médiévale. Et puis, eh ben, on va vous emmener avec nous. Hein, et puis, on va vous montrer tout ce qu'on a vu. Allez, qu'est-ce que t'en penses, Mamounette? C'est parti. Ça te dit? Allez, générique. Vol fidèle destrier, emmène-nous jusqu'à la destination voulue. Coucou les petits copains. Donc nous revoici, nous sommes dans la voiture, on se dirige vers cette fête médiévale. Alors je vous explique très très rapidement. En fait, c'est une fête où il va y avoir tout un tas d'animations réalisées par des acteurs. Et ces animations vont reproduire des scènes médiévales. Alors on va voir des prises de château, des combats à l'épée. Il y aura des costumes, il y aura tout un tas de choses. J'ai hâte d'y être. Et toi, Mamounette, t'as pas d'y être? Oui, j'ai hâte de voir les scènes de la vie quotidienne, en fait, à cette époque-là. Ça m'intéresse. Oh ouais, moi, surtout les combats d'épée. J'espère, je croise les doigts qu'il y aura plein d'enfants déguisés. Ça serait trop bien. Bon, on y va, les petits copains et copines. On se retrouve tout de suite sur place. C'est parti. Go à la scène médiévale. Enfin, c'est plutôt la fête médiévale de Moron-le-Fort. Go! Et bien voilà les petits copains et copines, nous sommes arrivés, nous sommes sur place, regardez, il y a des décors fabuleux. On voit ici le château de Moron, et là des toiles de tente, la garnison je suppose. Regardez, il y a des costumes là-bas au fond, je pense qu'on va voir des choses extraordinaires. Regardez là-bas. Oh, ah c'est super, alors là on arrive déjà devant des stands, je ne sais pas trop ce que c'est, on va découvrir avec vous. Allez, on vous emmène avec nous. On fait un petit peu un bond dans le temps là. On est en 1300, en l'an 1300 et quelques. Donc c'est le 14e siècle. Regardez ça. Parce que là, j'ai la nana. Qu'est-ce que tu dis, ma puce? Donc un 5, il y a un pour faire l'âge de Lana. Tu dis que Lana, elle est née en 1393? Lana, tu es vieille. Lana, t'es super vieille. Ouais. Ellie, elle a dit que t'étais née en 1393. Yes. Allez, bon, on va découvrir tout ça avec vous. C'est parti. Bon alors là les petits copains et petites copines, on se dirige vers le château. Je pense qu'il y a quelque chose là-bas parce qu'il y a un attroupement, je vois des arcs, des flèches, peut-être un combat d'archers, je sais pas. On va aller voir.
par les petits copains et copines, on a trouvé des chevaux. Regardez, il y en a là, il y en a là, il y en a tout le long. Donc je pense que ce sont les chevaux qui vont servir à faire les animations de chevalerie, hein, Mamounette. Hein. Oh, il doit y avoir des spectacles de chevaliers, à mon avis. Oui, oui, ma puce. Qu'est-ce que tu as vu? Et là, ils ont créé ces deux-là. Ah, tu penses qu'en fait, ça, c'est les grands-parents de ceux-là, ça, c'est les parents de ceux-là, et ça, c'est les petits-enfants de ceux-là. En fait, tu penses qu'il y a toute la génération, là? Ouais, c'est ça. Bah, peut-être, hein. Peut-être, je sais pas. Regarde, ils arrivent. On va aller les voir. Bah, il a soif. Oh, il a soif, celui-là. Comment tu t'appelles, toi? Tu es tout blanc. On va t'appeler Neige, tiens. Regardez celui-là comme il est beau. Oh là là, il est jeune, lui. Oh là là, il est magnifique. Ils ont soif, il fait chaud. Bah, en fait, aujourd'hui, il fait proche de 30 degrés, donc il fait très chaud. Regardez, il boit sans arrêt, il mange. Et lui, il a des tresses. Regardez, il a des tresses. Oh, c'est trop rigolo. Il a des tresses sur sa crinière, bonjour. Ça vous prend du temps pour faire les tresses le matin? Et alors, non loin de là, on a des gens qui vivent comme à l'époque, regardez. Alors là, ils sont en train de faire le déjeuner. Là, c'est pareil. On a vraiment la vie au Moyen-Âge. Regardez, là, on a une table avec un festin dessus, je sais pas. C'est le petit-déj. Et j'entends de la musique. J'entends des troubadours et des ménestrels qui chantent, voyons voir. Ah bah oui, regardez, ça danse là-bas. Alors, Ellie, Mamounette et Lana se sont fait embringuer dans une ronde. On va voir ce que ça donne. Regardez-les là-bas, elles sont pas confiantes. Hein. C'est rigolo. Écoutez la musique. Allez, c'est parti. Sur la musique du petit Réa. Du tout. Oui. Je crois que Mamounette s'est lâchée.
Les messieurs qui tirent à l'arc, ils vont venir, je pense. Ils vont attaquer le château, ils vont le défendre plutôt. Et là, je vois un bûcher. Tu crois que c'est pour les sorcières? Oh là 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 là! Un bûcher pour les sorcières, pour brûler les sorcières. À l'époque, ils étaient pas cool cool. Là-bas, il y a un truc pour les sorcières. Qu'est-ce que t'as vu là-bas? T'as vu encore un bûcher pour brûler les sorcières? Pour manger les sorcières. Oh là là, regarde! Des archers! Oh là là, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, mais vraiment au cœur du Moyen-Âge. Regardez Ellie qui danse. Fais-nous donc cette danse moyenâgeuse. Regardez les armoiries. Alors là, on arrive vers le campement. J'entends de la musique, des tambours. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a des choses là-bas. Oh là là, il y a des choses. Allez, on va aller voir. Alors moi, je vais faire un peu de l'escalade, Mamounette. Je vais descendre par là. Attention, c'est parti. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Les petits copains et copines, ici nous avons le marché. Regardez, toutes ces petites huttes que vous voyez, petites huttes blanches, proposent des choses à acheter qui sont en relation avec le Moyen-Âge. Alors on va visiter tout ça, on va regarder si on trouve des choses intéressantes. Je suis sûr qu'on va trouver, hein, à n'en point douter, comme on disait à l'époque. Allez, c'est parti. Le fou du roi. Est-ce qu'on peut dire qu'ici c'est chouette ?
Alors maintenant, les petits copains et copines, on va faire une petite visite du château. Oula, j'entends quelque chose. Ouais, il y a des gens. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a la garde. Viens voir ma puce, il y a la garde. Ils arrivent. Il y a le roi. Tu sais, il y a le roi qui arrive. Écarte-toi du chemin! Monseigneur est beaucoup trop généreux. Savoir être généreux avec son peuple. On exigeait encore plus. Oui, mais après combien de fois devant nous, être encore généreux. T'as vu ma monnaie, t'en as vu passer le roi et la reine? C'est incroyable! Oui! Bon alors puisqu'ils sont pas à leur château, on va pouvoir aller visiter. Allez, on va leur piquer! Allez, on y va, c'est parti!
Et bien voilà les petits copains et petites copines, j'espère que cette immersion à l'époque moyenâgeuse vous a plu. Moi en tout cas ça m'a rappelé plein de souvenirs. Quand j'étais petit je jouais avec mes Playmobil, je jouais comme ça un petit peu aux chevaliers et aux princesses Mahounette. Ça t'a plu? Ouais, c'était super bien. Alors les gens là-bas super gentils, super accueil, oui. Super public, les acteurs au top, ils nous ont fait participer à plein d'activités. Hein. Je sais pas si vous nous verrez danser là juste avant, Papounet. On verra danser avec Ellie et Lana, t'inquiète pas. C'était trop bien, c'était super. Super bien. Et puis alors, des animations aux quatre coins de la fête, c'était génial, jamais on s'ennuie. Super, ouais. Bon, on a ramené quelques petits souvenirs, dont ces verres. Voilà. Oh, fête médiévale, et voilà. Oui, ça nous rappellera notre bonne sortie. Bah, oui. Sympa. Sympa. Bon, Mahounette, moi, je suis lasse d'avoir guerroyé, comme on disait à l'époque. Je vais aller rejoindre ma couche. Allez, bonne nuitée. Digue-don-den, digue-don-don, digue-don... Ah!